Salut les amis! Eh bien aujourd'hui, une séance de renforcement musculaire dédiée au du corps. Épaules, bras, dos, abdos. Pour ça, vous avez besoin de deux haltères. Alors, moi j'ai 2 kg. J'ai aussi 5 kg, ça dépendra des exercices. Si vous avez la possibilité de prendre deux poids différents, c'est bien. Selon les exercices, ça peut être utile. Sinon, deux bouteilles d'eau. Un truc un peu lourd peut-être aussi, ça j'ai oublié de le dire pour les autres tout à l'heure. Un tapis et un banc. Un banc ou un tabouret. Le banc c'est quand même mieux. D'accord ? Allez, allez chercher le matériel et dès que vous êtes prêts, on est parti. Allez, vous prenez vos haltères, les plus légers si vous avez le choix. Les deux pieds sont déposés au sol parallèle, largeur du bassin. Je fléchis légèrement les genoux. J'allonge bien le dos et je rentre tout de suite mon ventre pour serrer mes abdos et gainer ma colonne vertébrale. On va ouvrir côté et devant. D'accord ? On ne dépasse pas la ligne des épaules. Et surtout, on ne fait pas de mouvement avec le bassin en avant lorsqu'on monte les bras sur l'avant. D'accord ? Je garde mon dos bien droit. Je serre mes abdos. J'isole complètement ce mouvement de bras. On ouvre et on ferme. Allez. Allez encore. Souffle. Respire bien. Allez tout le monde, encore. Allez, ouvre, devant, encore. 1, 2, 1, 2, encore 4 fois. 3, 2, et on reste devant. Et on fait des petits mouvements, comme ceci. Garde ton dos bien droit, tes abdominaux serrés. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. On emmène les haltères aux épaules et on ramène les bras le long du corps. Allez, ici, garde les bras le long du corps, plie et tout tend. Allez. Encore. Allonge bien le dos, serre les abdos tout de suite. Allez, ça c'est pour les biceps. On va faire la même chose, mais sans déplier le bras complètement. Vous allez pivoter les paumes de main vers le ciel. On ramène aux épaules et on tend. Et on ramène angle droit ici. 1 et 2. 1 et 2. Allez. Plus fort dans les biceps. Alors attention, hein, ce genre d'exercice avec du poids de 2 kg, 1 kg, même 3 kg, ça ne va rien changer. Vous n'allez pas vous trouver avec des bras de Schwarzenegger. Hein. Non. Pas de stress, ça muscle, ça affine, ça sculpte le bras, les épaules. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche, on reprend la série devant et on ouvre côté. Allez, devant et côté. Allonge le dos, rentre le ventre. Encore 1 et 2. Allez, 1 et 2. Amplitude, respiration. Allez. Encore 4. Allez, 3. 2. Et on va rester sur le côté ici. Ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore 8. Et 1, 2, 3, 4. Allez, 5. 6, 7 et 8. On relâche. On descend le dos vers l'avant. Je plie les genoux. J'allonge mon dos. Je n'ai pas le dos rond. D'accord ? Je sors les fesses. Ici, j'allonge jusqu'au sommet du crâne. Et de là, vous allez ouvrir sur les côtés. On ouvre. Regardez le sol. Quand vous avez pris les consignes, essayez d'aligner la nuque et de regarder le sol. On ouvre et on ferme. Allez, encore, encore. Allez les amis. Renforcement musculaire aujourd'hui, ça va chauffer dans les bras, chauffer dans les épaules, travailler le dos, travailler vos abdos, encore 4, allez, encore 3, plus que 2, puis le dernier, et on relâche, on ramène biceps à nouveau, donc d'abord grand mouvement, de haut en bas, allez,
D'accord. Et moins d'amplitude, tu bloques à angle droit. Un petit peu plus rapide. Allez. 1, 2, 3, encore. 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on relâche. Bien. Si vous avez des haltères plus lourds, vous pouvez les prendre. On va emmener les haltères au niveau des épaules. On va squatter. Donc je descends bien bas, le dos bien droit, et je vais remonter, tendre les bras là-haut. D'accord ? Donc ça, avec des haltères bien lourds, ça fait travailler plus vos bras et aussi beaucoup plus vos abdos. Alors attention, pas ça, hein ? Là, je descends les fesses vers le sol et je me grandis d'un coup. Descends et là-haut. Descends et en haut. Encore. Allez. Encore. Allez, allez. Encore deux. On reste là et on plie, on tend. Un. Deux. Ah, c'est lourd pour moi. Trois. 4, 5, 6, 7, 8, allez jusqu'à 12, 9, 10, 11 et 12. On relâche. Soufflez. Ok. Vous placez les haltères devant vous, lourd ou léger, à vous de voir. Regardez l'exercice. On va en prendre un seul. Un seul dans la main. On se redresse et on tend là-haut. On redescend. On se redresse rapide et on tend là-haut. Vous pouvez aller avec du poids, hein, sans problème. Est-ce que c'est bon ? On y va. On pose au sol. On se redresse et on tend. Deux. Allez. 3, on en fait 10 de chaque côté. Et 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Souffle et on change de côté. Descends et 1, 2, allez, allez, gardez le rythme. 3, encore. Et 4, respire. 5, allez les amis, on lâche rien. 6, 7, 8, dernier. Et 10, on relâche, soufflez. Pour finir ce bloc, on termine avec celui qu'on a fait au début. Squat plus extension avec des haltères lourds si c'est possible et on le fait 12 fois. Ok, c'est parti. Haltères aux épaules, le dos droit, le regard loin devant et je descends. Et 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, encore. 7, 8, 9, allez, allez, plus que 2, et un dernier, et on relâche, ok, soufflez, ça y est, hein, on commence à sentir le travail, on commence à sentir la fatigue, hein. Ça va Zoé ? Boire.
Ok, vous récupérez vos haltères plus légers. Si vous avez le choix, toujours pareil. Regardez l'exercice pour les jambes. Ça va être pose un genou, pose l'autre, pose le pied et relève. Ok ? Vous allez faire 4 fois dans le même sens et après on change le sens des jambes. Pour les bras, on va tendre les bras devant et descend, descend, remonte, remonte. Les bras vont rester tendus devant et vous allez faire 4 dans un sens, 4 dans l'autre. Est-ce que c'est bon ? Bras tendus, suivez les consignes. On va avancer le pied droit devant, poser le genou gauche. Pose le genou droit, le pied gauche, le pied droit. Et droit, gauche, droit, gauche. Droit, gauche, droit, gauche. Dernier, droit, gauche, droit. On change. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Allez, encore, encore, encore. Dernier, hop, 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 on relâche. Soufflez, on va le faire une deuxième fois. Allez, respirez bien. On le fait une deuxième fois. Les bras sont tendus à l'avant. Le dos bien droit, les abdos serrés. Ça fait droite, gauche, droite, gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dernier. 1, 2, 3. 3 changes de jambes. 1, 2, 3, 4, 1. Pliez un peu les bras si c'est difficile. Encore 2 fois. Dernier. 2, 3. Et relâchez. Oh oh. Ok. Soufflez. On va faire un peu de gainage. On va faire un bloc gainage. D'accord ? Laissez les haltères de côté pour ce bloc. On va travailler les abdos en gainage. On y va. Vous êtes sur les mains pour démarrer. On va se suivre. Je ne vous donne pas les indications au départ. Suivez-moi. Sur les mains et sur les pieds. Et on ouvre, on ferme à droite. On ouvre, on ferme à gauche. C'est parti. 1 et 2. 1 et 2. Encore. 1 et 2. 1 et 2. Encore. Dernière fois, hein. On ramène genou droit, genou gauche, genou, 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 encore. Gardez votre dos droit, allongez la nuque, encore. Ok, la même chose, on rajoute la main sur le genou, hop, 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 hop. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On se pose sur le côté. Ici, monte le bassin. Petit rebond, comme si on était accroché par la ceinture du pantalon et qu'on nous tire vers le haut. Allez, encore. Respire bien. Et on change de côté. Allez, go. Changez, petit rebond. Allez, allez. Encore. Quatre, trois, deux. On revient sur les deux coudes ici et on fait en avant. En arrière, tu pousses dans les pieds pour pousser avec le sommet du crâne et dans les talons. Hop et hop. Allez. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Vous lâchez. Bien. Allez, on respire. Tout le monde va bien ? Tout le monde suit le rythme, c'est bon? Ok, vous récupérez les haltères.
continuer sur les abdos avec haltère le plus lourd si vous avez. Vous allez vous mettre en équilibre sur les fesses et vous le connaissez bien celui-là. On va emmener l'haltère à droite puis à gauche avec une torsion des épaules. Hein, c'est pas juste l'haltère en regardant loin devant, plutôt là j'emmène à droite et à gauche avec la torsion du buste à chaque fois. Encore. Enchaîne directement. Ici, allonge, emmène l'haltère derrière, reviens et vers le haut. Descends, tape l'haltère derrière la tête, remonte là-haut. Et descends et en haut. Serre les abdos. Descends, enroule en haut. Allez, pas la peine d'aller trop vite. Faites les choses correctement. Respirez, chacun son rythme, surtout on reste à l'écoute de son corps, en alerte par rapport aux signaux que le corps nous envoie. Voilà, si vous sentez que ça tire un petit peu sur le dos quand vous vous allongez, eh bien vous ramenez les genoux vers vous ici. Vous regroupez les genoux, vous enroulez en donnant un élan. Et on repart, encore 4 fois. Je me grandis. Allez, encore. Et vers le haut à chaque fois. N'hésite pas à ramener les genoux si ça tire trop. Enroule. Il nous en reste un. On reprend l'équilibre et on reprend les torsions. On fait une deuxième fois la série. Il n'y en aura que deux, je vous le dis d'avance. Alors on s'accroche les amis, on s'accroche. Allez. Allez, les épaules à chaque fois. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On revient. Allonge-toi. On roule vers le haut. Allez. N'hésitez pas à prendre deux haltères. Hein, si un, vous sentez que c'est trop léger. Vous en prenez deux. Allez tout le monde. Respirez. C'est bien les amis, c'est bien. Plus que 4. Allez. Tenez bon. Allez, les deux derniers, les deux derniers. Et on revient. Bien, bravo. Soufflez, buvez, buvez. Hein. Je vais boire, moi. Hervé, ça va, Hervé? Hervé. Je sais pas s'il fait la séance. Hein. Tu fais de la séance ou tu bouffes des chips? Coucou Valérie. Allez, on finit notre bloc abdos gainage. Vous récupérez cette fois-ci le plus léger de vos haltères. Deux possibilités pour la suite des exercices. Ou bien, j'ai vraiment chaud là, ou bien vous pliez la jambe d'en dessous, ou bien vous avez les deux jambes tendues. Ça peut être ça, c'est plus facile, d'accord? Ou ça peut être ça, ou même ça. Vous prenez l'haltère, l'haltère vers le haut, et puis le bras parallèle au sol. Vers le haut, et parallèle. J'ai vraiment du mal à garder les yeux ouverts avec ce soleil dans la figure. Allez, pas grave. Vers le haut et parallèle au sol. En haut, merci. Et au sol. Ah ouais. Ah merci. Ah, mon doudou, il m'a passé ses lunettes. Bon, on n'y voit rien. Putain.
Allez, continuez, allez-y, allez-y. Oh là là. Ok. En haut et parallèle. En haut. Allez, serrez vos abdos. Encore 4. Reviens. Encore 3. Et 2. Et on va rester devant, bien sûr. Là où c'est plus dur, on reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâche. On change de côté. Et la même chose. Allez, parallèle au sol et vers le haut. Attention de ne pas descendre le bras complètement. Hein. L'intérêt de l'exercice est de vraiment garder l'axe par rapport à votre épaule. On souffle. On serre les abdos. Vous devez sentir que quand le bras descend, les abdos sont un peu plus contractés, un peu plus engagés. Allez, tout le monde, tout le monde. Encore 4. 3. 2. Et le dernier, on le garde devant. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Bravo. Ok, soufflez un peu. On va travailler avec le banc. Mais je vais le mettre dessus parce que sinon c'est moi que je vais abîmer. Voilà. Alors si vous avez un banc comme moi, eh ben c'est parfait, vous faites comme ça. Vous allez vous allonger dessus. Si vous n'avez pas de banc, vous allez pouvoir faire la même chose au sol mais avec beaucoup moins d'amplitude que nous. Alors, vous aplatissez. Vous allongez sur le ventre. Ici. Alors vous pouvez effectivement poser vos pieds, il n'y a pas de problème pour ça. Les bras bien dans l'axe des épaules et l'exercice ça va être d'ouvrir les bras sur les côtés. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire ça à plat ventre, mais évidemment à plat ventre vous aurez moins d'amplitude que nous, d'accord? Mais c'est pas grave, ça vous fait travailler quand même. On y va, allonge bien la nuque, j'ai le nez dans mon tapis hein. Et on ouvre, on ferme. Allez, encore. Encore 4. 3. 2. Et 1. On relâche. Soufflez. On peut faire la sieste comme ça, oui, c'est bien. Alors pareil. Vous aurez moins d'amplitude si vous êtes allongé au sol. Vous partez les bras le long du corps si vous êtes allongé au sol, sinon les mains comme moi, là, les bras comme moi, sur le banc. Et vous allez emmener les bras vers le haut et on descend. Allez, bien sûr on fait ça en dégageant le visage du sol. Allez, encore. Serrez vos omoplates. Encore 4. Allez, encore 3. 2. Et 1. On relâche. Oh mamie. C'est dur. On va reprendre la même série. On ouvre et après les bras le long du corps. Travaillez votre dos, hein. D'accord? Allez, dégagez le visage, on ouvre et on relâche. Je vais avoir mal aux épaules et au dos, je sens.
enfin mal de courbature. Hein. Allez, 4, 5, il y en a 10 dans chaque exercice. 6, 7, chacun son rythme. Hein. 8, 9, 10. Oh, mamma mia. Allez, pareil de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté, n'importe quoi. Dans le long du corps, ici. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Allez, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Toi, t'as un transat, c'est bien, ma loulou, t'as un transat. Eh oui. Je me doutais qu'il y en a qui allaient avoir des bancs avec des accoudoirs. Ok, un rebord. Le rebord du banc, le rebord du tabouret, du transat, de ce que vous voulez. On va faire des dips. Je vous l'avais dit, hein, haut du corps à fond aujourd'hui. Attends, je me mets de profil. Là, vous voyez un petit peu. Donc, le dips, c'est fait pour travailler le triceps ici, l'arrière du bras. Le muscle qu'on ne veut pas voir bouger quand on fait coucou à nos amis là. D'accord ? Donc, pour avoir des triceps solides, les dips. Alors, deux exercices. On ne va pas faire l'autre, mais je vous le montre aussi si vous voulez le faire à la maison. Haltère lourd, vous emmenez là et vous emmenez derrière en serrant complètement les coudes contre les oreilles, ici. Ça, c'est un très bon exercice pour les triceps, d'accord? On ne le fera pas aujourd'hui, mais si vous avez envie de rajouter ça à votre training, vous y allez. Aujourd'hui, on fera les dips pour le même groupe musculaire. Vous allez poser les mains dans ce sens. Plus les pieds sont loin, plus c'est difficile. Par contre, je ne veux pas voir les fesses s'éloigner du banc. Les fesses sont presque, sont collées au banc. Et puis, on va plier les bras pour descendre les fesses et remonter. D'accord? On va faire deux séries de 12. Ça va? Parti. Bon kiki. Allez, descends complètement et remonte. 1. Regarde loin devant. 2. 3. Descends doucement. 4. Ne descends pas trop vite. 5. Allez, allez, 7, 8, 9, descends doucement, 10, 11 et 12, allez, soufflez, on relâche un peu, Karcher, c'est chiant, hein, oh pardon, j'ai dit un gros mot, mais c'est pénible quand même. Allez, deuxième série. Allez, go. 1, 2, regardez droit devant. 3, 4, 5, 6, allez, allez, descends. 7, doucement. 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Soufflez. Il nous reste une chose à faire. Enfin non, faux. Il nous reste deux choses à faire. Avant l'apéro. Toujours votre banc, votre transat. Ok. Votre transat. Et on va monter sur le banc. Donc, ici, vous allez prendre les haltères. Léger ou lourd, je vous laisse le choix. Moi, je vais prendre léger. Là. Vous posez le pied, les haltères aux épaules. On va monter sur le banc et tendre les bras vers le ciel. On va en faire 12 d'un côté, 12 de l'autre. Attends, je remets les lunettes. Ça va me donner de la force. C'est parti. Go. Monte sans poser ton pied et descends. Allez. 2 et...
maintenant les haltères aux épaules. Et 5 et 6 et 7 et 8 et allez 9 et 10 11 12. On change de jambe tout de suite. Allez, 3, j'ai plus d'équilibre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, 10, 2, 11 et 12. Petite chose, mais je suis sympa et je vais vous les faire faire sur le banc. Les pompes. Deux séries de 12 pour terminer. Vous faites. Alors non, c'est Zoé. C'est Hervé qui demande si c'est Doudou qui fait les exercices. Non, c'est Zoé. Voilà. Là. Doudou, il en a fait un peu, mais il est parti, là. Je sais pas où il est. Ah merde, ça coupe. Est-ce que tu fais ça avec Prisca, toi? Donc, je répète, deux séries de 12 pompes. Vous avez le choix. Ou bien les mains surélevées sur un banc, ou bien au sol. Pas de problème, hein. Si vous voulez faire ça au sol, il n'y a aucun souci. Allez, on y va. On descend, on repousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai les mains quadrillées. On relâche un instant. On aura bien travaillé le haut du corps. Aïe, 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 Sabine, les tendinites qui font mal. Ouais. Allez, deuxième, dernière. Après, c'est bon, je vous laisse tranquille. Après, c'est l'heure de l'apéro. C'est parti. Serrez vos abdos. Rapprochez la poitrine du banc. Hein. C'est parti. 1, 2, 2, allez, 3, 4. Faites-en que la moitié si c'est difficile. Allez, jusqu'à 6 au moins. 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus que 2, allez. Zoé s'est écroulée sur le banc. Allez, la dernière. Et voilà. Ah. Les copains. Ouh. Bon. Good job. Well done. Attends, je bois un coup. Bien joué les amis. Une bonne séance de renforcement musculaire haut du corps. Vous avez bien vu, ce soir, demain et après-demain, vous aurez peut-être un peu de sensation au niveau de vos épaules, de vos bras, un peu les abdos. Voilà, restez positifs, restez souriants et surtout, restez chez vous. À bientôt, j'espère. Bisous, bisous.